La nature reprend ses droits. Et Charles Spencer a pu s'en rendre compte. Vendredi 29 mai sur son compte Instagram, le frère de Lady Diana a partagé une étonnante vidéo qui a fasciné les internautes. En direct de sa résidence d'Altorf, il a filmé un troupeau de daims en train de courir dans l'herbe. Selon le site internet de cette demeure, le nombre de daims habitant sur les terres occupées par le frère de la princesse de Galles s'élève à 350. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que les internautes ont été époustouflés. Waouh! Comme si est-il absolument merveilleux, Lord Spencer, si est-il absolument magnifique, merci du partage. Waouh! Des animaux absolument stupéfiants, quelle belle vue en effet, peut-on notamment lire dans les nombreux commentaires. Les daims noirs parcourent le parc depuis le 15e siècle et restent à ce jour les plus proches voisins des Spencer. Dans sa magnifique maison, la famille de Lady Di côtoie plusieurs animaux. Il y a peu, le père de cet enfant a accueilli deux adorables chiots, Forager et Rufus, âgés de 8 semaines. À l'époque, si est-il également sur Twitter qu'il avait annoncé l'arrivée des petits, je ne suis pas sûr qu'il m'aide réellement, car j'édite enfin mon nouveau livre, mais Forager, âgé de 8 semaines, semble s'être installé chez lui, à son arrivée à @altorfo, en tant que mix cocker spaniel pater d'Alterrier, si est-il un temps d'arrêt rare. Il a ensuite partagé une tendre vidéo des deux chiots qui courent dans le domaine. Charles Spencer, qui vit bien loin de la famille royale, n'hésite jamais à les féliciter. C'était notamment le cas pour la naissance du fils de Meghan Markle et du prince Harry. Le 6 mai 2019, après la venue au monde d'Archie, il avait écrit « Vraiment une très belle nouvelle aujourd'hui, bravo, bravo. Si est-il bien d'avoir un autre taureau dans la famille ?» En revanche, il n'était pas convié pour la photo du baptême du nourrisson. Charles Spencer, en froid avec la famille royale outre la reine Elisabeth II et le prince Philippe, d'autres membres de la famille manquaient en effet à l'appel, dont le frère de Lady Diana, Charles Spencer. Pourtant, les deux sœurs de la princesse défunte, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorkodale, étaient bien présentes sur le portrait de famille. Comme le soulignait le Daily Express, de précédents agissements du comte Spencer pourraient expliquer cette absence. L'homme politique de 56 ans avait notamment déçu et attristé Sa Majesté, lors de son discours aux funérailles de sa sœur. En effet, il avait notamment déclaré que Lady Di n'avait pas besoin de titre royal pour continuer à générer sa propre magie, citait nos confrères britanniques. Si est-il un hommage à son sang-froid et à sa force. Malgré la vie la plus bizarre que l'on puisse imaginer après son enfance, elle est restée intacte, fidèle à elle-même.